Les parlements sont-ils trop luxueux? On a parfois perdu le sens des réalités. Ici, on vient tout le temps dire c'est des choses du passé, ça n'arrivera plus. Il y a moyen d'utiliser de manière tout à fait correcte les moyens publics. Des sièges à 3000 euros, un sofa, un divan à 15 000 euros. Comment est-ce qu'on peut signer des factures pareilles? Mais nous avons signé quelle facture? Nous n'avons jamais signé. Oui, demandez à votre collègue PTB qui est membre du bureau du Parlement wallon. Oui. Il a signé la facture, il a approuvé la facture comme tous les autres sans poser aucune question. Je n'étais pas dans la réunion dont madame parle, mais il me semble que les devis pour ces chaises-là, ça a été bien décidé avant. Hein, donc, le voyage à Dubaï, etc. Maintenant, voilà, ici, on vient tout le temps dire c'est des choses du passé, ça n'arrivera plus, ce n'est pas un système. Nous, ce que nous disons avec les PTB, et effectivement, on est assez nouveau dans les parlements, donc on gratte. Et oui, on découvre des choses. Mais je ne pense pas que nous sommes d'accord avec des chaises à 3000 euros. Oui, voilà, comme j'invite Mme Merckx à lire le PV de la réunion dont je parle, parce que c'est effectivement ce qui s'est passé. Votre collègue du PTB n'a posé aucune question, on essaie d'offusquer de rien, mais c'était en réunion fermée, il n'y avait pas de caméra. Alors, moi, les leçons sur les plateaux de télé, quand il y a des caméras, il faut arrêter. Par rapport aux chaises, 3 000 euros, évidemment, ça choque. Mais il faut rappeler quelque chose. Quand on a un pouvoir, une institution publique, qu'on achète quelque chose, en l'occurrence des meubles, on doit passer par un marché public. Et on reçoit des offres, deux, trois quand on a de la chance, parfois une seule. Et donc on dépend de ces offres, on est enfermé par ces offres. Ce n'est pas moi qui vais acheter une chaise de bureau et qui peut décider combien je veux mettre pour cette chaise de bureau. Et je me suis renseignée, dans l'ancienne partie du Parlement, ce sont les mêmes chaises. Elles sont là depuis 1999, on n'a pas dû en remplacer une seule depuis. Donc, je comprends. Donc vous défendez alors. Donc vous défendez des chaises à 3 000 euros parce que ce que je dis, Madame Merckx, si vous faites le compte, Madame Merckx, je veux bien l'acheter une chaise à 200 euros qu'on devra remplacer tous les ans. Faites le compte, ça coûtera plus cher. Mais oui, vous voyez, que dans une série d'instances de ce type-là, on a parfois perdu le sens des réalités. Et c'est pour ça que je plaide pour des hommes et des femmes politiques qui gardent un pied dans des activités professionnelles hors la politique pour continuer à garder ce sens des réalités. Et ça, je pense que c'est important. Scandaleux, faute, Rachid Madrane, d'aller vers ce luxe-là. Je comprends que ça ait choqué, c'est inacceptable. C'était l'ancien bureau, mais le problème qu'il y avait, si je peux me permettre, c'était un problème de contrôle interne. Il n'y avait pas de mécanisme. Le nouveau bureau a pris une série de mesures. C'était quoi? C'est par exemple, au Parlement bruxellois, vous le savez comment ça fonctionne chez nous, c'est un Parlement où la majorité et l'opposition sont membres du bureau, l'organe de gestion du Parlement. On a des vérificateurs aux comptes. Il y a un membre de l'opposition, un membre de la majorité. On a une commission du budget et du compte du Parlement. Ça veut dire une commission qui va valider ou pas le budget, qui est présidée par qui? Par un membre de l'opposition. Et le président du Parlement que je suis vient devant cette commission en demandant s'ils acceptent de voter ce budget. Et le compte du Parlement est vérifié par la Cour. Donc ça ne pourrait plus arriver, un truc comme donc, ça. Donc, c'est tous ces mécanismes de contrôle interne qui font qu'on peut éviter ce type de dépenses. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a moyen d'utiliser de manière tout à fait correcte les moyens publics.